Bienvenue à toi pèlerin pour cette nouvelle vidéo du média Templier et Savoir. Avant toute chose, j'aimerais toutes et tous vous remercier pour votre fidélité et l'engagement dont vous faites preuve auprès de la chaîne. Mais revenons maintenant à notre sujet du jour. Beaucoup d'entre nous ont des idées préconçues au sujet des Templiers. Le fait qu'ils aient été des combattants redoutés et victorieux en fait partie. Pourtant, et même si nous avons tendance à l'oublier, la vérité est plus nuancée, surtout dans les premières années de l'ordre. La question du jour est donc simple. Les Templiers des premières heures étaient-ils les guerriers formidables que notre imaginaire nous suggère? Peut-être pas. Je vous propose donc de partir à leur côté sur le champ de bataille. Prêt? C'est parti! Suite au succès de la première croisade, les nouveaux états latins d'Orient savent qu'ils doivent consolider leurs possessions afin de mieux défendre la chrétienté en Terre Sainte. Bon, au départ, le défi ne s'annonce pas très compliqué. Les chrétiens sont galvanisés par la victoire, tandis que les musulmans sont désunis. Évidemment, les Francs savent qu'ils ne peuvent pas se reposer sur ce contexte favorable. En 1126-1127, le roi de Jérusalem, Baudouin II, cherche à monter une campagne militaire pour prendre Damas et ainsi affaiblir l'ennemi. Mais pour cela, il a besoin de soutiens importants. Il décide de s'adresser aux royaumes européens et envoie en porte-parole le dirigeant de l'embryon templier, Hugues de Pin. Sa mission est de solliciter des renforts auprès des puissants. Et afin de mettre toutes les chances de son côté, Baudouin II confie à son ambassadeur une lettre de recommandation. L'intérêt de ce voyage est majeur pour les deux hommes. Hugues de Pin promeut sa milice, dont il obtiendra la reconnaissance 2 ans plus tard à Troyes, tandis que Baudouin II s'offre une tournée promotionnelle visant à sensibiliser les seigneurs d'Europe aux besoins militaires indispensables à la survie et à l'expansion de la Terre Sainte. La manœuvre est un véritable succès. Fin 1129, quelques mois après la création de son ordre, Hugues de Pin repart pour la Terre Sainte. Il est accompagné des premiers chevaliers templiers qu'il a recrutés, mais aussi de seigneurs et de combattants croisés qui viennent soutenir l'effort de guerre en Orient. Des années plus tard, l'archevêque Guillaume de Tyr commentera cette épopée avec ces mots. On vit revenir à Jérusalem Hugues de Pin, premier maître des chevaliers du Temple, et quelques autres religieux qui avaient été envoyés par le roi et les autres princes du royaume pour exciter les peuples à venir à notre secours, et engager spécialement les puissants à s'armer pour entreprendre le siège de Damas. Ils furent suivis par une grande foule de nobles, qui vint dans le royaume sur la foi de leurs paroles. Impressionnante la grosse voix, non? Cette vague de volontaires chrétiens suscite un très grand espoir pour les états latins d'Orient. La vague d'expansion vers Damas peut commencer. Mais malheureusement, rien ne se passe comme prévu et le siège tourne au désastre. Celui qui synthétise le mieux cette débâcle est sans doute Robert de Torigny, chroniqueur du XIIe siècle, abbé du Mont-Saint-Michel et conseiller du roi Henri II d'Angleterre. Ceux que Hugues de Pin, de qui il a été question précédemment, avait conduit avec lui à Jérusalem, il leur arriva malheur. La veille de Saint-Nicolas, un grand nombre de chrétiens furent tués par un petit nombre de païens au siège de Damas. Alors qu'une grande partie des chrétiens étaient en train de chercher des vivres, les païens en virent plusieurs, et ils attaquèrent fortement, les obligeant à fuir, et, en les poursuivant, ils en tuèrent un grand nombre. Ceux qui cherchaient le salut dans la fuite se précipitèrent dans les montagnes, et Dieu déchaîna contre eux la tempête.
C'est fou, cette grosse voix. Ça nous met vachement dedans, non? Oh, pardon. Du coup, aux premières heures de la présence templière en Terre Sainte, on ne peut pas vraiment dire que le bilan militaire soit fantastique. Beaucoup de chroniqueurs médiévaux voient dans cette tragédie une punition divine, afin de sanctionner les péchés de ces nouveaux croisés dont la cupidité est souvent mise en cause. Évidemment, cette critique ne s'adresse pas spécialement aux Templiers, mais à tous les chrétiens revêtant ces mauvaises motivations. Quelques années plus tard, en 1133, les Templiers tiennent peut-être l'occasion de se rattraper. Une nouvelle bataille se profile entre les chrétiens et l'émir de Damas. Mais encore une fois, c'est un désastre. Eh ben alors? Pas de grosse voix. Bon, tant pis. 4 ans plus tard, en 1137, nouvelle occasion de rompre le mauvais sort. Les Templiers, alliés au roi de Jérusalem Foulque d'Anjou, combattent les troupes de Zengi le Sanguinaire, atabeg de Mossoul et d'Alep, qui attaquent le comté de Tripoli. La rencontre a lieu devant la forteresse franque de Montferrand, le 10 août 1137. Et encore une fois, c'est un désastre. Zengi fait des ravages dans les troupes ennemies, forçant les quelques dizaines de survivants à se replier dans la citadelle. Orderic Vital, moine franco-anglais des 11e et 12e siècles, écrit à ce sujet. Par la volonté de Dieu, dont les jugements sont justes et droits, presque toute l'armée des chrétiens fut détruite. Tous, sauf 30 chevaliers, furent tués. Seul le roi échappa, avec 10 chevaliers de sa familia. Et 18 templiers échappèrent, et ensemble, ils se réfugièrent dans le château construit par Baudouin Ier près de Damas, appelé Montferrand. Merci la grosse voix. Face à la pression, la famine, la fatigue et la maladie, les troupes franques capitulent avant même l'arrivée des renforts. Décidément, dur dur pour les Templiers. Et la série noire continue. 2 ans plus tard, rebelote. À l'été 1139, nouvelle intervention templière sur le champ de bataille. Suite à la perte de la forteresse de Montferrand, dont nous venons juste de parler, les incursions musulmanes se multiplient et se rapprochent dangereusement de Jérusalem. C'est dans ce contexte que des Turcs et des Bédouins de Moab attaquent la petite ville de Tekoa. Une troupe chrétienne intervient et met les pillards en déroute. Mais c'est alors que le piège se referme. Les fuyards ont simulé leur débâcle pour mieux se rassembler à l'arrière et tailler en pièces les Francs. Au cœur du combat, le maître du temple Robert de Cran prend la tête d'une section composée de Templiers et d'autres chevaliers. Il résiste tant bien que mal à un opposant en surnombre, et le combat se clôt dans une sorte d'égalité étonnante. Les Turcs regagnent leur campement, tandis que les Francs rentrent à Jérusalem. Voilà 10 ans que l'ordre du Temple existe, et pour quel bilan? Ils ont participé avec certitude à 4 batailles, dont 4 défaites. Attention toutefois à ne pas faire des Templiers de piètres combattants responsable de ces échecs. L'explication se trouve ailleurs. À leur début, les Templiers sont associés aux troupes laïques, dans lesquelles règne parfois désordre et indiscipline. Ceci cause une faiblesse tactique qui aboutit souvent à des défaites cuisantes. À cette époque, les chevaliers Templiers ne sont pas encore assez reconnus pour imposer leur méthode ni leur autorité dans les rangs. Cela viendra dans les années 1140. Notamment grâce à la Seconde Croisade. Là, ils s'illustrent dans leur rôle de protection du roi de France, Louis VII. Ils acquièrent leurs lettres de noblesse sur le champ de bataille et donnent naissance à leur image chevaleresque exceptionnelle qui les fera craindre ou admirer lors du combat. Pour cette fois, nous nous sommes intéressés à un aspect peu valorisant des Templiers, mais promis, on se rattrapera dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être tenu informé des nouveautés et visionner nos précédents sujets. Nous, on se revoit très vite. D'ici là,
Lisez, cherchez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire.